déjà quand même, j'ai une équipe. Ça va? Alors qu'on prépare la session, c'est pour. Hier, je me suis dit que c'est pour mon voyage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a pas? Comment c'est pas la petite qui travaille dans le centre? Madame, comment ça va? Bonjour madame. Vous allez bien?
Alhamdulillah. Oui, très bien. Alhamdulillah. Il est venu pour nous, madame la présidente. C'est dans le spontané qu'on touche le cœur. C'est la cérémonie officielle d'ouverture de cette table ronde de réflexion sur les mesures pour l'effectivité de la loi sur la parité dans les instances de prise de décision. Table ronde organisée par WILDAF avec le soutien de son partenaire Oxfam. Je m'en vais donc pour cette partie-là passer la parole à Madame la Présidente pour son mot de bienvenue. Merci, Madame la Présidente. Directeur de cabinet de Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance du Sénégal. Honorable Madame Hawadja Thiam, présidente d'honneur du WILDAF Sénégal. Monsieur le secrétaire exécutif de l'Observatoire national de la parité. Madame la représentante de Oxfam, notre partenaire. Honorable Abdou Sané, membre de l'Observatoire national de la parité, le Conseil. Honorable Mamboussou Samb, conseillère à l'Observatoire national de la parité. Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des organisations partenaires au développement. Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des organes de presse. Honorables invités, en vos rangs, qualités et grades. Imam Gueye, permettez-moi au nom du réseau Femmes Droit Développement en Afrique, communément appelé WILDAF, Women in Law and Development in Africa, et en mon nom propre, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'occasion de cette table ronde sur les enjeux de la loi sur la parité au Sénégal. Elle s'inscrit dans une série d'activités qui portent notamment sur l'animation d'émissions radiophoniques en langue nationale, locale et en langue locale dans les régions d'intervention pour une meilleure compréhension appropriation de la loi sur la parité par les populations que le WILDAF Sénégal organise durant ce mois de mars, mois de la femme. Je vous souhaite un bon mois de la femme. Au-delà du 8 mars, tout un mois nous est dédié, mais je pense même que toute une année devrait être dédiée aux femmes. Vive les femmes et vive les hommes qui nous accompagnent dans notre combat. Nous vous remercions donc d'avoir répondu à notre invitation. Cette initiative mise en œuvre grâce à l'appui financier de notre partenaire de longue date Oxfam s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la loi sur la parité au Sénégal. Le WILDAF Sénégal, comme à l'accoutumée, a entrepris de multiples initiatives pour une effectivité des droits des femmes et l'égalité des sexes au Sénégal. Il s'agit entre autres de recherches, d'actions de plaidoyer et de renforcement de capacités sur les droits des femmes, sur la participation politique des femmes
sur l'égalité de genre, et j'en passe. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'État du Sénégal, conformément à ses engagements et à son option de développement, a fait des progrès remarquables sur la question de l'égalité de droit entre les femmes et les hommes en engageant différentes réformes visant à améliorer le statut et les conditions de vie des femmes sénégalaises. Au plan interne, en plus de la Constitution qui stipule que tous les êtres humains sont égaux en droit, plusieurs lois favorables aux femmes ont été adoptées, de même que des stratégies, plans et programmes. Entre autres, je peux rappeler la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la loi sur la parité, le plan Sénégal émergent, l'acte additionnel pour l'équité et l'égalité de genre en Afrique de l'Ouest adopté par la CEDEAO, le protocole de Maputo, une initiative également qui a été portée par le WILDAF, ce qui fait aujourd'hui que le Sénégal dispose d'un arsenal juridique riche en adhérant à la quasi-totalité des instruments juridiques, tant au niveau sous-régional, régional et international. Entre autres, au niveau sous-régional, on peut citer l'acte additionnel. On peut citer également la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On peut citer le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. On peut citer la Déclaration solennelle pour l'égalité de droits entre les femmes et les hommes, entre autres. Mesdames, Messieurs, chers participants, aujourd'hui, 9 ans après l'adoption de la loi sur la parité dans les instances électives et semi-électives au Sénégal, la participation des femmes dans les postes de prise de décision reste encore assez faible, nonobstant les avancées en dents de scie constatées. Pour rappel, le Sénégal a adopté la loi numéro 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme. Son décret d'application numéro 2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la dite loi sur la parité stipule que les listes de candidatures à l'élection dans les dites institutions sont alternativement composées de personnes des deux sexes sous peine d'irrecevabilité. En son article 2, il précise que les institutions totalement ou partiellement électives concernées sont notamment les conseils régionaux, les conseils municipaux, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que leurs bureaux et commissions. Depuis, nous pouvons retenir que la 11e législature a voté la loi sur la parité, la 12e l'a expérimentée, mais elle n'est pas appliquée dans toute sa rigueur. Elle n'est pas non plus comprise par toutes les couches de la population sénégalaise. Le WILDAF Sénégal, qui siège au sein de l'Observatoire national de la parité, avec 7 autres organisations de la société civile féminine, veut jouer sa partition encore en informant utilement, en sensibilisant, mais aussi en suscitant des cadres d'échange sur cette loi pour en identifier les enjeux, les défis persistants et tirer des recommandations pour son effectivité. Comme avancé, la parité est inscrite dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénégal et dans la présidence de la dite Assemblée nationale, mais dans les bureaux des commissions, tout comme dans les commissions techniques, des manquements subsistent encore. L'Assemblée nationale du Sénégal compte certes un nombre assez significatif de femmes. Dans les collectivités locales aussi, la présence des femmes est assez remarquable. Au niveau des instances nominatives, le constat reste le même. Et l'on se poserait même la question de savoir que fait-on au Sénégal des compétences féminines. Cette initiative constitue donc une suite logique du projet du WILDAF, Femmes et participation politique au Sénégal, qui a été soutenue par notre partenaire, l'ambassade des États-Unis, et mise en œuvre au Sénégal les années passées. La présente table ronde nous permettra sans nul doute d'apporter notre modeste contribution dans l'identification des obstacles majeurs à l'effectivité de la loi sur la parité, afin de parer au plus urgent avant les prochaines élections locales et municipales.
La disparité entre les hommes et les femmes en termes de représentation au sein des instances de décision du Sénégal est importante. Même si nous reconnaissons qu'à l'échelle du continent, le Sénégal n'est pas le pays le plus défavorisé. L'accès des femmes sénégalaises au pouvoir politique et à la maîtrise des outils de décision est encore limité. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames, messieurs, chers invités, nous ne pourrons atteindre nos objectifs communs en matière de développement, de paix, de sécurité et de droits humains que si nous prenons des mesures concrètes pour renforcer la participation des femmes à la prise de décision au niveau des pouvoirs publics, des parlements, des organisations internationales, dans le secteur public comme dans le secteur privé et dans la société civile. Le développement durable, aussi bien au plan central que local, concerne tous les acteurs, hommes comme femmes, d'où l'importance, mais aussi surtout l'urgence de valoriser le potentiel des femmes pour le développement de notre pays. À l'échelon local comme à l'échelon national, la faible représentation encore des femmes dans les sphères de décision est avant tout liée au contexte et aux pesanteurs d'ordre socioculturel généré par un système patriarcal qui confère aux hommes le contrôle des espaces politiques publics, mais aussi le faible taux de formation et d'alphabétisation de la majorité des femmes, ce qui freine beaucoup leur participation. Ainsi, l'enjeu premier ne se résume pas à la seule question de la représentation de type paritaire, mais bien à celui du choix des membres de la communauté les plus à même d'assurer une gestion harmonieuse, efficace et au profit des majorités des communautés du Sénégal. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames, messieurs, qu'il me soit permis d'exprimer notre profonde gratitude à monsieur le directeur de cabinet ici présent au nom de madame le ministre de la femme, de la famille et de l'enfance empêchée. Nous adressons aussi nos sincères remerciements à notre partenaire Oxfam et à travers lui tous les partenaires techniques et financiers qui soutiennent les initiatives du WILDAF Sénégal. Je ne saurais terminer sans remercier et encourager les membres du comité d'organisation de cette activité. Remercier aussi tous les invités qui nous ont fait l'honneur de participer à cette table ronde et aux représentants de la presse. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et avec beaucoup d'honneur, c'était je crois en 2008 que dans cette même enceinte que j'avais été nommée présidente d'honneur de WILDAF. Et c'est vraiment avec beaucoup d'honneur, comme je le dis, et c'est très sincère. Mariam, je vous remercie pour ça. Et vous me donnez toujours l'opportunité de pouvoir m'associer aux femmes, de pouvoir partager. Et la rencontre d'aujourd'hui nous permet d'aller dans ce sens. Donc, monsieur le directeur de cabinet et mesdames et messieurs les représentants de l'ONP, je voudrais également saluer particulièrement notre sœur Mambousso, qui est une aînée à nous, qui nous a beaucoup accompagnés et qui continue, je viens de voir dans la salle, et également les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre d'aujourd'hui est une rencontre importante. Elle se tient à une date anniversaire, c'est la marche blanche, la première marche qui nous a permis d'aller remettre la loi au président de la République. Je crois que le blanc est devenu maintenant et rentré dans les pratiques, dans les mœurs, mais il est toujours bon qu'on se le rappelle et qu'on puisse valoriser cela. Avoir dans un parterre comme ça, constitué de femmes qui vont discuter de cette loi sur la parité, je crois que c'est d'une importance majeure. On a fait beaucoup de choses depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, 2018, où on s'interroge sur l'effectivité. Donc, il est important pour WILDAF et pour nous toutes que l'on puisse continuer la réflexion pour que ce combat que nous avons mené ensemble puisse être utile pour la société sénégalaise, que ça puisse nous faire avancer en tant que femmes. Et c'est dans ce sens-là que je remercie vraiment WILDAF et souhaite plein succès à nos travaux. Je vais participer tout à l'heure à la réflexion, mais je ne terminerai pas également sans rendre hommage à des femmes émérites, comme Maimouna Kan, qui viennent de nous quitter en ce mois de mars, comme Aminatou Sarr également,
qui nous viennent de nous quitter en ce début d'année. Je crois que c'était juste en fin février. Et tout ça, c'est des actes importants. Il nous faut valoriser cela. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu axer mon intervention, parce que l'allocution de Madame la Présidente était largement satisfaisante. Et c'est avec beaucoup d'honneur réellement que le DC a voulu que je prononce un mot. Je vous en remercie et remercie l'ensemble de l'assistance. Merci. Et les droits des femmes sont une composante inscrite au cœur des domaines d'action d'Oxfam. C'est également cela que ce partenariat avec WILDAF aujourd'hui prend tout son sens. Ce partenariat est d'autant plus important quand des membres de la société civile, notamment des femmes, veulent se mobiliser pour réfléchir ensemble sur les actions de plaidoyer à mener en faveur de l'application effective de la loi sur la parité au Sénégal. Pour Oxfam, la justice de genre recouvre l'égalité et l'équité complète entre les sexes dans toutes les sphères de la vie. C'est-à-dire, les femmes doivent pouvoir conjointement et sur un pied d'égalité avec les hommes définir et élaborer les politiques, les structures et les décisions qui touchent à leur vie et concernent l'ensemble de la société. À Oxfam, nous croyons que la prise de responsabilité par les femmes et leur action collective sont un puissant levier pour mettre fin à la pauvreté, non seulement pour les femmes et les filles, mais aussi pour tout le monde. Oxfam salue ce grand pas accompli au Sénégal, en l'occurrence l'adoption de cette provision légale sur la parité. Toutefois, son application effective dans toutes les sphères décisionnelles reste encore une préoccupation. D'où l'objectif de cette table ronde pour réfléchir ensemble sur la façon dont cette loi est perçue et sur l'état de son application au Sénégal. Oxfam, par mon organe, vous encourage aujourd'hui à pousser la réflexion le plus loin possible sur la façon dont nous pouvons ensemble continuer à mobiliser le pouvoir citoyen contre la pauvreté et en particulier sur la façon de susciter davantage l'engagement de tous pour une application effective de cette loi. Oxfam remercie également WILDAF de l'avoir associé à cette initiative et encourage tout un chacun et précisément tous et toutes celles qui sont ici présentes aujourd'hui à se mobiliser, à rester mobilisées pour une application effective de la loi sur la parité au Sénégal. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée de réflexion. Merci. Tiens, Mambousso et Abdou Sané, Madame la Présidente de WILDAF, Madame la Représentante de Oxfam, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations partenaires de WILDAF dans cette activité, Honorable Imam, saluons et nous respectons encore. Mesdames, Messieurs, chers invités, Madame Ndeye Sali Diop-Dien, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, contrainte par ses charges et absente du territoire national, n'a pas pu être dévote ce matin. Elle m'a demandé de venir la représenter à l'ouverture de cette table ronde. Le message qu'elle m'avait demandé de porter est d'abord un message d'encouragement et d'intérêt à l'endroit de toutes les organisations de femmes ou organisations travaillant dans le domaine des droits humains en général et des droits des femmes en particulier. Elle avait effectivement annoncé qu'elle inscrivait son ministère dans le cadre d'un principe directeur de partenariat très fort avec les organisations de la société civile et je puisse moi-même faire le déplacement pour venir à cette activité, encourager et féliciter WILDAF pour son engagement, un engagement très fort, pour son engagement constant et son engagement pour faire avancer et faire évoluer positivement et qualitativement la situation des femmes. Madame la Présidente, retenez donc que Madame le Ministre apprécie hautement l'initiative que vous avez prise aujourd'hui
en menace ou en proposant cette réflexion aux différents partenaires du mouvement associatif féminin pour que la situation, quoique comportant des acquis importants, puisse véritablement connaître des évolutions et aller de l'avant. Car l'on dit souvent qu'il n'avance pas recul, et je pense que dans ce domaine-là, notre pays n'a plus le droit de reculer. Au contraire, il a l'obligation d'aller de l'avant. Je retiens en particulier dans les objectifs de la table ronde l'appropriation de la loi. C'est une problématique importante. On ne peut pas appliquer quelque chose que l'on ne maîtrise pas. On ne peut pas appliquer quelque chose qu'on ne partage pas. On ne peut pas appliquer quelque chose que l'on ne perçoit pas peut-être positivement. Donc, l'exercice que vous êtes en train de proposer au mouvement associatif aujourd'hui est un exercice important pour que nous puissions comprendre davantage tous les enjeux qui s'attachent à cette loi ou à ce principe de gouvernance qui est la parité et qui, en fait, contribue à l'image de notre pays. Je voudrais donc, à son nom, vous féliciter et vous remercier et saluer l'ensemble des responsables du mouvement associatif présents pour contribuer aux travaux. Je crois que, à la lecture de la liste des panélistes, on se rend compte que vous avez fait un excellent choix. Nous avons des responsables du mouvement associatif et des responsables historiques, et ça c'est très important. Nous avons également les responsables du présent, l'Observatoire national de la parité, que le chef de l'État a appelé gendarme, c'est comme ça qu'il l'a appelé au niveau international, c'est elle-même, c'est son concept. Cela veut dire que le chef de l'État considère que nous devons avancer et qu'il faut assurer véritablement le travail de veille. Quand il y a un travail de veille et un travail de plaidoyer, je pense qu'il est possible d'avancer. Et donc, nous sommes, je pense, sur la bonne voie. Votre activité maintenant, son importance également tient au contexte dans lequel elle se tient. D'abord, nous entrons dans la deuxième phase du PSE, Plan Sénégal émergent, qui a adopté comme principe le genre et adopté également l'autonomisation de la femme comme un objectif transversal dont la mise en œuvre ou les avancées conditionnent particulièrement l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous sommes également en une année électorale. Même si la première élection a été marquée par l'absence de candidates, nous allons vers des élections locales où nous avons l'obligation et l'impérieuse nécessité véritablement de travailler pour que la présence féminine soit plus forte. Nous sommes également en une phase où le chef d'État, lors du 8 mars dernier, la Journée internationale de la femme, a déclaré publiquement qu'il va dédier son second mandat à la femme et aux jeunes. Ceci également est une dimension importante. Honorable Awadja Thiam vient de nous dire que nous allons vers le 10e anniversaire de la loi, un moment important d'évaluation. Observatoire, je pense que l'ONP a déjà là un chantier important que nous allons véritablement tous porter. Et au niveau international, il est apparu que l'on travaille aujourd'hui pour que, en 2030, qu'on ait une planète 50-50. C'est ça. Je pense donc qu'aujourd'hui, Madame la Présidente, envisager une réflexion sur les obstacles qui aujourd'hui gênent l'atteinte de tous les résultats qui sont visés à travers ce principe de gouvernance politique, je pense que c'est un exercice important. Et je puis vous dire que Madame la Ministre sera très attentive par rapport à vos conclusions,
car nous avons l'obligation, dès l'instant que le chef de l'État a dit qu'il va placer son mandat sous le signe de la femme, nous avons l'obligation véritablement de porter la question, de la structurer et de mettre devant, sur son agenda, des actions pertinentes, structurantes et en profondeur. Je pense que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui va beaucoup contribuer à cela et que nous commençons avec vous, ou nous allons poursuivre le travail de documentation et d'investigation sur les obstacles, qu'ils soient économiques, culturels, etc. Vous l'avez dit, sur les questions de formation, pour que réellement la marche de notre pays, qui était déjà sur une bonne pente, quoi qu'il y ait des obstacles, puisse se poursuivre et permettre véritablement que nous puissions atteindre tous les résultats. Nous savons que souvent, quand les femmes sont bien outillées, sont bien positionnées, la société se transforme positivement et progresse plus rapidement. Et pour dire donc que nous avons l'obligation, nous, société sénégalaise dans sa globalité, hommes, femmes, organisations, gouvernement, de travailler pour que cet instrument qu'est la parité puisse véritablement être d'une application effective et produire, comme je dis, tous les résultats qui sont attendus et dont le résultat minimal, c'est que nous puissions avoir à toutes les instances 50-50. C'est un résultat minimal et je pense que notre société a le potentiel et la capacité même d'aller au-delà. Et je pense que l'exercice que vous êtes en train de faire aujourd'hui peut véritablement participer à tout cela et nous vous en félicitons. Et Madame la Présidente d'honneur, Madame le Ministre attendra, Inch'Allah, avec beaucoup d'intérêt, les résultats qui sortiront de votre table ronde, les points de réflexion et les directions qui pourraient être explorées, car la qualité de votre Assemblée me fait penser que de cette rencontre-là pourrait germer ou émerger véritablement des résultats assez importants. Je voudrais donc à ce titre-là vous encourager, vous féliciter et remercier, me joindre à vous pour remercier le partenaire Oxfam qui accompagne ce processus et remercier également tous les partenaires associatifs, communautaires qui véritablement apportent leur contribution et vous dire encore une fois que le pays c'est le nôtre, le Sénégal est le nôtre, là son développement ou son émergence comme on l'a dit dépendra de l'engagement de tous et de toutes et je pense qu'aujourd'hui vous avez fait, vous donnez une bonne image à cela et à la fin de la journée nous aurons des résultats au plan quantité et qualité qui puisse nous permettre d'aller de l'avant. Je voudrais donc vous encourager tous et vous saluer et véritablement au nom de Madame la Ministre déclarer ouverte la table ronde de réflexion sur les mesures pour l'effectivité de la loi sur la parité dans les instances de prise de décision. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis le président de l'ONP, Observatoire national de la parité, de l'ONP, libéral nak nuyo kilifa yi nga xamni ñom ñoy honorable Awadja Thiam honorable Mamboussa ak honorable Abdou Sané mbalé ci nak présidente bi ak suñu partenaire Oxfam soxna Ndey Sali Diop Dien mu yoré moy jëwri ñu jigen ñi mom dafa nekkul ci Sénégal waye biñ ko yëgele mbir bi dafa ni ma nekkuma fu waye yow na nga dem lim moy li tax mu ni ma na nga dem nak dafa bëgg woné ni mom limu japon ni que mom limuy liggey japon na ni que munu ko def luddul mu and ak kurelu jigen ñep lolu la japp lolu motax fep fo xamni fi kurelu jigen wonako dina fexé mom ba jog wala mu fexé bu lolu kuko jégué jogal ko ci bi lolu nak lanima bo démé ci ville daf ak présidente bi né ko ndaje mi ñi def man contane na ci lolu yaakarna ni lu am mana la parce que Sénégal amna lo xamni li moy parité moy tollole bi lo amna ci loi jumtukay ñi ngui koy appliquer nak waye ñun ñep xamnañ ni que résultat yiñ ci doon xaar yépp ñewugul kon bu féké tay ji soxna wa Wildaf taxaw nañu dalné war nañu sét lan moy jafé jafé ak téxtal yi nek ci biir ba tax ba égaguñ ci résultat yi soxna ministre bi néna mom yaakar na li ngeen di def lu am mana la parce que nit mënu la jëme kanam lu mu xamul mënu la jëme kanam lu mu andul mënu la jëme kanam lo xamni li yaakar na ni bokul ak li jëmele société am kanam kon tay ji madame la présidente
li ngeen taxaw lu am mana la madame le ministre néna yaakar na ni lu am mana la mi ngi la ci encourager bu baax di la wax ni nak mi ngi xaar xalaat yi nga xamni ño fi génné ndax té buñu xolé mbolo mi dañuy xamni ko mbolo mi buñu tassé waxtane ben mbir mën nañ fe génné lo xamni lu am mana la ci réew mi kon ma ngi nuyu mbokk yépp di leen yëgal ni madame le ministre mi ngi xaar pré dafa ni 8 mars journée internationale la femme bi bi mi koy présider dafa ñew taxaw dal ni ko mom bu ko kilifa gi waxé ñi nekk ci jox ko tan jox ko tamit beul mo nga xamni non lay jëme ci kërëm lool moy bu jëk bi benen bi xam ngeen ni ñi ngi ci plan sénégal émergent plan sénégal émergent néna autonomisation de la femme mom il faut mu am bu autonomisation de la femme amul émergence du am donc mom yaakaar na ni lolou tamit 2019 dafa nek année bo xamni bi année bu particulière ndaxte am nañu élection présidentielle bi passé même bu fekke candidat bu jigen moy que ni ngi jëm ci élection locale té xam nañ ni que bu fekke bëgg nga jigen ni deug jot sen wal def liñu wara def taxaw fiñu wara taxaw dang koy defé ci kaw way dang koy defé tamit ci suuf donc élection locale yoyu lu am manal ak féminin yi gëna fort mais bi yëm ci candidature ba nga xamni dañu nekk ci position yo xamni digeen ni dinañu mëna fallu parce que buñu fallo seen problème yi ak problème goor yi dañ ko mëna gënné diko xajjatlé ba lepp té wacci ko té loolu moy jëmale suñu réew ci kanam en dajjal ko am manal ci ñu dal dinañ yaak xamal ni que en tout cas li ngeen di def ñu apprécier nañ ko bu baax té dinañu fexé inshallah ba li ci gën ñu andandok ak yeen ak bëpp kurel bo xamni bi nek ak bi pour ñu yëmalé ko ci kanam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal dajé wu jamm bu am mana di leen wax ni nak am ngeen fi ay nit yo xamni ay nit ci xel nañu ay xalaat ak ay ño xamni ñi porté nañu ay combat yu bari yaakaar na ni waxtaan ko ñi nga xamni ñi yag nañu ci affaire ak xalé waxta ak xalé yi nga xamni ñi ngi sogaat di ñew defina génération yi bu ñu tassé ñoom ñëpp ñu and no jëm ci kaw dana nekk lo am mana té lo xamni duñu jëmele kanam ñi ngi ñaan yalla sambar mu defal ñu jamm ci biir réew mi mu defal leen tamit seen dajé ñu nekk dajé bu am mana bo xamni bi dañ koy fatlikou comme ni ñu fatlikou marche blanche bi nga xamni honorable aw jaay jammi ko non wax té loolu du mëna am la ndax té seen dajé mi dajé bu am mana yalla ci yalla ñu jamm do leen xew assalamu alaykum ñu def parfum yi wala ay may Marianne wax sa li man mak la presse ñoo and ñoo fax ok en français ou en wolof ok en français ok donc assalamu alaykum may soxna Mariam Koulibaly Seck jité courel bi nga xamé né mom lañu tuddé Wildaf muy kurel bo xamé né mi ngi nek ci lu tollu ci ñeen fuk ak juroom ñetti réew ci Afrique am nak ay patch yu bari ñun nak ñu bok ci patch bi nga xamé né mo nek ci Afrique sawujant kurel bobu nak lepp lo xamé né ak yellefu jigéen ñi la da ciy dox dina def ay bab manam plaidoyer dina def également renforcement de capacité jangal jigen ni sen ak ak sen yellef dina len itam di mettre en réseautage manam lekkale kurelu jigen ni dina produire aussi lepp lo xamene ay gestu la muy ay livre yu ñu xamene dañ koy baxé ñi nga xamene ñoy organisation jigen ni mais aussi ñoy ño nek institution yi ak ño nek ministère yi ci doxalinu ak teurelinu yoon ci suñu réew mi ci nisseur yi nga xamé né saytu nako bokku na ci tay ji li ñu indil protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique initiative bobu Wildaf Afrique de l'Ouest mo ci lekkalo won ak commission internationale des juristes bi suñu ben chamign suñu mak Adama Dieng jité ba tax na tay ji ndolent bobu ci charte africaine des droits de l'homme et des peuples am ñukoy tuddé protocole de Maputo dina yëngatu également ci lepp lo xamé né métatalu jigen la
muy mutilation génitale féminine yi lepp lo xamné également da fay tax jigen yi am souf dañ ci yëngatu ak yenen ak yenen ak yenen donc tay ji nak dañu am table ronde bo xamné dañu ko deugmal ci ben projet bo xamné dañ ko def ci mois de mars bi ñu tuddé ko wéru jigen ñi mais amna yaakar né sax jigen ñi at mi yépp bës bu nek rek suñu bës la ci projet bobu nak Oxfam moy suñu partenaire bo xamé né mo ñu ci jappalé mais du li rek lañu amone ak Oxfam ndax té def nañ fi ben projet bo xamé né bu am solo la réformons le foncier wil daf saytu lepp lo xamné moy plaidoyer moy dialogue politique pour jigen ñi xam sen ak ak sen yellef xam également lan moy nara nek sen priorité ci réforme foncière bi nga xamné Sénégal mi ngi ko deugmalone tay ji nak solo ce ndaje bi moy kané xam ngeen né Sénégal dafa adopté depuis atum 2010 ñu tuddé loi sur la parité dans les instances électives ak semi électives donc parité bobu du parité sax absolue parce que instance nominative yi parité bobu amaguñ ko wil daf nak sétlu kané en sa qualité de membre du conseil de l'observatoire national de la parité ñu nek fa ak suñu yenen juroom ñaari nawlé kurelu jigen fi Sénégal ñu sétlu kané loi bi dal population bi déssé nañ ko xam ba taxna lo xamul comme niko déssé waxé légui lo xamul mënoko jëfé lo xamul également mënoko xéx té comme nak fi mu nek jigen ñi goor ñi dañu wara sop sen loxo ensemble pour suñu dëkk jëm kanam lolu motax ñu né élection locale ya ngi ñëw nañu jël suñu matuway ñu xol li tax loi sur la parité bi wax dëgg fa neex yalla jëfé wuñ ko comme nu mu warona nekké dé amna ay manquement yu bari lan moy galankor yi pour ñu ensemble ku ci nek joxe sa xalaat ñu am ay solution pour que nak parité bobu ñu mën ko jëmmal naam Sénégal nak am nañu ay avancées ci instrument juridique barina yo xamé né Sénégal bokku na ci mo xam ci réewu Afrique mo xam ci bitim réew fi ci suñu biir dëkk itam suñu biir réew am nañu loi yu bari teraline yu bari yu ñu jël entre autres loi sur la parité mi ngi ci loi sur la fiscalité de la femme salariée mi ngi fi loi aggravant les sanctions contre les violences faites à certaines catégories de femmes mi ngi fi ak yenen ak yenen ak yenen donc am nañu ay avancées teralal ñu stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre SNEC am nañu Sénégal adhéré na ci acte additionnel pour l'égalité de droit entre les femmes et les hommes pour le développement durable ak yu bari 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 mais jëfé ko mo dess xébuñu nak li nga xamé né moy volonté politique suñu njit yi mais il faut que nak ñu taxaw tamit sétlu lutax teraline yu bari yoy yépp Sénégal bok wala jël ci bi réew bi lutax duñ ko jox de matalé yaakar na né tay ji génn nañu ci élection présidentielle candidature féminine gisunu ko ci donté nak jigen ñi taxawon nañu bëgg bokk mais yalla def na xeyna bokkuñu mais local yi ñuy jëm c'est une opportunité bo xamné ñun ñëpp dañ ci ka wara saisir kuy def politique ak ku dul def politique man ndax néna dafa am politique de développement ak politique bo xamé ni politique politicienne mais buñu lekkaloon ñun ñëpp jappalante yaakar na né jigen ñi dinañu ag fañuy nassé ak fañuy noccé ndax té nak réew mi goor kessé mënu ko défar yalla dafa def né goor ak jigen la bind kon nak buñu joxanté loxo wax dëgg fa neex yalla war nañu mëna sop suñu loxo ci liggéey bi ba nga xamé né suñu réew dina soxali ko plan Sénégal émergent bi dafa jël en compte la question de l'égalité de droit femme homme il faut que ñu jëmmal ko té naka lañ koy jëmmalé ñu xol lepp luy galankor suñu teraline yoon yi ba nga xamé né dinañ ko mëna jubanti ba mu aw ci anam yu gëna rafet moi j'ai tout